Eh bien, bonjour, le Schmilblick est aujourd'hui à Cajarc, petite ville de l'Aveyron. Je rappelle brièvement que nous savons déjà que le Schmilblick est presque rond, qu'il contient du jaune, qu'il tient dans la main, qu'on peut le faire cuire de différentes façons et qu'un navigateur le faisait tenir debout. À vous, Cajarc, à vous, Simone, premier candidat. Bonjour, Guy, candidat de Cajarc, venu nombreux, bonjour. Le premier candidat, c'est monsieur... Monsieur Molino, marchand d'articles de pêche sur la place du marché à Cajarc. Un article de pêche de qualité s'achète chez Molino. Posez votre question, monsieur. Alors, est-ce que le Schmilblick est-il vert? Non, monsieur, à quoi pensez-vous? Un ver de terre de chez Molino. Non, monsieur. Non, monsieur, candidat suivant, Simone. Oui, Guy, c'est à vous, monsieur. Bonjour, Guy Luc, je me présente, Émile Duboulin, compagnon de la Libération de passage à Cajarc. Est-ce que le Schmilblick a fait 39-40? Non, monsieur, non. Ça ne m'étonne pas, ce sont tous des planqués à la télévision. C'est amusant, merci. Simone? Oui, candidat suivant, c'est monsieur... Wala Zahim Ben Salim. Monsieur Ben Salim. Non, Salim Ben Akhwala Ben Salim. C'est pas français comme nom. Salim. Alors, posez votre question. Merci, mademoiselle. Est-ce que s'il vous plaît, qu'il a celui là qui s'est pressé à Tarawal Schmilblick? Est-ce qu'il a pour celui là qu'il a trouvé par terre? Oui, je ne comprends pas bien, Simone. Monsieur a été coupé. Oui, là, je suis coupé. Comme qu'est-ce vous, que je ça ne... veut dire? Je comprends qu'est-ce pas qu'il très raconte bien. De se l'offrir à la télévision? Non, mais parce que nous n'avons pas tout très bien compris, est-ce monsieur. Je ne comprends pas que je parle français aussi bien que toi, c'était. Non, bien sûr, monsieur, bien sûr, mais non. Ce n'est pas ça, vous comprenez? Alors, c'était fait, j'ai fait la guerre d'Algérie autant que toi. Mais oui, certainement, fait. Monsieur, mais oui, mais en passant. Français, Nadine, Mok, Nadine, français, saloperie. Bon, candidat suivant, c'est monsieur. Bonjour, Guy Lux. C'est Papy Mougeot, le Cajarc. Alors, est-ce que le Schmilibli... Non, écoutez, monsieur. Écoutez, monsieur, s'il vous plaît. Ah, c'est pas facile à dire, comme nom. Bon, alors, Simone, s'il vous plaît. Oui, Guy. Candidat suivant, c'est monsieur. Bonjour, Guy, tout Jean-François, QFR à Paris, en vacances à Cajarc ou camping. Alors, est-ce qu'un coiffeur peut se tirlipoter au Schmilblick tout seul dans sa tente? Non. À quoi pensez-vous? À la même chose que vous, dégoûtant. Ah, ça c'est drôle, oui, alors ça s'il vous plaît, candidat suivant, Simone. Le candidat suivant est une candidate. Non, non. Oh, excusez-moi, on ne les reconnaît plus, je... Posez votre question, monsieur. Est-ce qu'on peut pousser la Schmilblick? Oui, pourquoi? Pour le faire avancer, hein, banane. C'est amusant, merci monsieur, Simone. Oui, candidat suivant. Bonjour, Minux. Allez-y, posez votre question, monsieur. Bon, alors voilà, je voudrais dire à ZZ qu'elle aille directement chez René, parce que comme j'ai paumé les clés du camion, on va être emmerdé pour lui livrer oui, la on roue. Lui dira, on lui dira, monsieur. Ah non, mais quoi, moi je paye à la télé, moi j'ai le droit, moi. Candidat suivant, c'est monsieur. C'est Papy Mougeot. Oui. Bonjour, Minux. Bonjour, monsieur. C'est une catastrophe, hein. Alors, est-ce que le Schmilibli... Mais enfin, Simone. Oui, Guy. Écoutez, monsieur, peut-être plus tard, merci. Candidat suivant. Ah, bonjour, Guy Lux, là. Est-ce que, s'il vous plaît, le Schmilblick actuellement est-il contre les toits voyants à Miguel, là? Parce que, dis donc... Non, monsieur. À quoi pensez-vous? Je pensais à une matraque de CS, parce que c'est pas pour dire, mais actuellement, il faut dire... Alors, que s'il vous plaît, je rappelle que le Schmilblick est un jeu. Je rappelle que le Schmilblick est un œuf et qu'un œuf ne fait pas de politique, hein? Mais non, je l'ai pas dit. Allons, Simone, s'il vous plaît, candidat suivant. Eh bien, c'est monsieur. Bonjour, Galix, monsieur Van Pleuf de passage à Cajarc. Est-ce qu'on peut mettre le Schmilblick une fois dans les biberons des enfants? À quoi pensez-vous, monsieur? À des frites. Non. Candidat suivant, Simone. Et encore moins. C'est monsieur, c'est Papy Mougeot. Alors, est-ce que le Schmilibli, s'il tient dans la main, il tient dans la main? Admettons, à quoi pensez-vous, monsieur? Alors, à rien, c'était pour faire avancer le Schmilibli, le Schmilibli, le Schmilibli, le Schmilibli.